Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul par rapport encore une fois à Funwall qui m'a envoyé un set en partenariat pour en faire une review sur la chaîne. Donc j'avais reçu pour la première fois en fait de Lakeside Lodge, donc la petite cabane au bord du lac qui était vraiment très sympa et que bah, au final vous avez quand même bien apprécié que ce soit le haul et la review. Et du coup après quand je leur ai dit, puis ils m'ont remercié et tout, elle m'a dit, Joyce du coup qui m'avait contacté déjà pour la première fois, me dit est-ce que tu aimerais tester un nouveau set qu'on va lancer aussi, donc vous aurez le lien en description pour leur site et aussi pour Amazon et tout ça, pour l'acheter si vous souhaitez. Donc là c'est un set un petit peu plus petit au nombre de pièces et au prix, je crois il est à peu près bon faut convertir 60 livres, je crois que ça doit faire 70 euros, 80 euros on va dire, 100 euros on va dire, et il y a 1000 pièces, mais de nouveau un kit LED, et vous allez voir ça représente quelque chose de vraiment très sympa et qui peut, enfin on verra parce que bon je l'ai pas encore construit puisqu'on va l'ouvrir, ça peut peut-être être sympa de le mettre avec le nouveau château médiéval puisque c'est dans le thème, vous allez voir. On va faire, je vais essayer d'ouvrir. Bon, on va le sortir parce qu'en fait j'ai vérifié parce qu'en plus vous voyez l'état du carton, c'est le facteur du truc colis privé, il a forcé pour le mettre dans la boîte aux lettres, mais bon au final ça a un tout petit peu abîmé les coins de la boîte, mais bon c'est pas trop grave, mais j'avoue que c'est pas cool. En plus j'étais là donc il avait juste à descendre et puis je réceptionnais le colis. Non, il a préféré forcer dans la boîte aux lettres. Donc bon, au moins, heureusement qu'ils emballent ça bien avec le papier bulle et tout. Hop, on enlève ça et on regarde. Donc voilà, donc une nouvelle fois, je trouve que le box art est vraiment très sympa. Et du coup, c'est un château en fait au-dessus d'une falaise, donc d'où le titre Castle on the Cliff Fantasy Series. Donc c'est pas mal, peut-être qu'ils vont en faire d'autres. Et j'aime vraiment beaucoup bah, la mise en scène et tout. Donc vous voyez en fait, du coup, c'est le Funwall set numéro 9005 avec 1044 pièces. Donc voilà, par rapport à la Lakeside Lodge, je crois qu'on avait 1998 par là, enfin quasiment 2000. Là on a 1000 pièces de moins, donc bon du coup pour moi ce sera déjà un peu moins long à construire et tout pour vous faire la review, mais bah, en fait c'est pareil que par exemple The Lakeside Lodge, vous avez aussi donc ça c'est à cause du facteur, merci, mais on a en fait la possibilité d'éclairer le modèle, donc ça c'est vraiment très sympa. Et vous avez aussi les dimensions, bah, je sais pas qu'est-ce que ça représente, les inches, ah ouais c'est le truc anglais, bon je sais pas trop, on verra bien, je vous le mesurer par rapport à la review, mais du coup c'est vraiment très sympa. Puis après ben tout ce qui est par rapport à l'unboxing et tout ça, je vous le ferai dans la review, on va voir comment c'est fait, mais du coup je pense comme ben le petit gros goût sur le côté, il y aura de nouveau une pince pour aider en fait à mettre les LED et tout ça, et du coup j'espère qu'ils marcheront, qu'elle n'aura pas besoin de m'en renvoyer comme pour la maison au bord du lac, parce que du coup là il y avait eu pas mal d'attentes et entre temps j'avais été en Angleterre et tout. Et d'ailleurs là vous voyez je reparle de nouveau un peu mieux, j'ai en fait moins la bouche gonfle et tout avec l'arrachage des 4 dents de sagesse, du coup c'est cool. Donc voilà, bon bah du coup maintenant il me restera plus qu'à la construire et vous faire la review prochainement sur la chaîne. En tout cas je remercie encore une nouvelle fois Joyce et Funwall de me l'avoir envoyé, c'est vraiment super cool. Et j'ai vraiment apprécié en fait déjà la construction de la petite Lakeside Lodge, c'est vraiment superbe. Alors du coup je pense que là je vais apprécier aussi parce que j'avoue que j'ai quand même bien envie aussi de prendre le château Lego. Mais là on va dire c'est un petit apéro avant de passer au gros. Mais ça a l'air vraiment très sympa, j'aime bien les petites techniques avec la cascade et tout. Donc on va voir ça et puis on verra bien où les LED vont et qu'est-ce que ça donnera une fois éclairé. Donc j'ai hâte de vous présenter ça prochainement sur la chaîne. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas si vous n'avez pas vu la review de la petite Lakeside Lodge, elle est disponible sur la chaîne aussi, même l'unboxing ça vous intéresse. Et du coup n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens sont en description, et faire un petit tour si vous voulez sur leur site pour voir la boutique, à lâcher un petit like et à vous abonner, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.